Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 janvier 2020. Je reprends le sujet de l'immigration après cette première vidéo en lien ici. Et je voudrais aborder deux sujets dans cette vidéo-ci. Le premier, c'est les raisons de la radicalisation de certains de nos compatriotes que l'on a vu en particulier sous la présidence de... François Hollande. Et le deuxième, peut-être un peu plus rentrer dans la pratique de comment on intègre l'immigration. Alors d'abord... on a vu donc sous la précédente mandature qu'un certain nombre de nos compatriotes, qu'ils soient issus de l'immigration récente ou qu'ils soient considérés comme français de souche, se sont radicalisés, parfois sont partis dans certains pays pour recevoir des entraînements à devenir des terroristes a priori. Mais il ne faut pas simplement condamner, emprisonner, ce qui est une conséquence, mais il faut essayer de réfléchir à quelle est l'origine de cette conséquence. Et je le répète, même si dans cette vidéo il est question d'immigration, il n'y a pas seulement des générations issues de l'immigration récente, deuxième génération, troisième, quatrième, etc. Mais il y a aussi des Français considérés de souche, d'accord? Donc c'est un problème plus large. Et ici je vais essayer d'aborder, de l'aborder globalement. Donc à mon avis, ce qui entraîne cette radicalisation de certains de nos compatriotes, c'est dans un premier temps... et principalement, la mauvaise intégration de ceux-là de nos compatriotes. C'est-à-dire, concrètement, comment ça se manifeste? Eh bien, c'est le fait d'être ghettoisé dans certains quartiers, dans certains territoires, et d'être concentré comme ceci, au lieu d'être de vivre dans une diversité de populations plus égale dans le sens de français de souche ou autre, et puis jeune immigration, jeune français. Je pense que ça, voilà, ça c'est un point. Il faut ne pas concentrer les nouvelles populations immigrées dans un même bloc parce que justement elles ont besoin de s'intégrer. Donc si elles sont toutes concentrées, elles n'ont pas l'environnement requis pour pouvoir s'intégrer, d'accord? Donc voilà, il y a comme ça une ghettoisation. Il y a aussi le fait que dans ces ghettos ou dans ces endroits-là, il y a, et d'ailleurs partout ailleurs, mais c'est encore plus prégnant et c'est certainement encore plus vrai depuis longtemps, une désertification de l'État. Je ne sais pas si le mot est bien employé, mais c'est voilà, tous les services de l'État, la poste, les commissariats, etc., ferment les uns après les autres, peut-être des lieux de soins, etc. Donc c'est une vérité pour l'ensemble du territoire avec les différentes politiques qui se mènent mandat après mandat. Mais c'est encore plus vrai, encore plus criant, et du fait de la situation donc d'être ghettoisé, d'être une jeune génération de Français, dans le sens que, où ça fait pas longtemps qu'on est Français, eh bien, ça crée des problèmes encore plus importants qu'ailleurs. Donc voilà, le fait d'être ghettoisé, le fait qu'il n'y ait pas de services, ou de moins en moins de services et de lieux de la République autour, simplement pour répondre aux besoins, et puis pour tisser le lien social avec cette partie-là de la population française. Il y a aussi la discrimination à l'embauche, et ce qui fait que les possibilités, l'avenir, les espoirs se réduisent, voire même rencontrent un obstacle pour les gens qui cherchent simplement à vivre, donc à avoir un emploi, un revenu, fonder une famille, devenir locataire ou propriétaire de certains biens, etc. Voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que, au lieu de bien intégrer ces populations, eh bien, elles sont de fait sur le territoire, mais elles sont mal intégrées. Et comme on ne leur offre pas, nous, tous collectivement, par la politique, et donc c'est notre responsabilité à tous, si on est démocrate, dans le sens où je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes sur la démocratie, et donc pas de simplement donner la responsabilité à quelques-uns, ça c'est l'oligarchie, et c'est ne pas être responsable soi-même, politiquement. Voilà, donc c'est notre responsabilité à tous de ne pas savoir intégrer ces populations. Donc, ce qui crée des injustices, pardon, surtout qu'après on vient les stigmatiser en disant que, ben voilà, ils n'ont pas la religion qu'il faut, ils n'ont pas la tenue vestimentaire qu'il faut, ils n'ont pas les habitudes, la culture qu'il faut, etc. Et donc ça rajoute par-dessus ces premières inégalités ou ces premières conditions difficiles, plus de distance, voilà, avec le reste de la population. Ces gens-là se sentent, même s'ils sont accueillis de fait sur le territoire, ils se sentent laissés de côté, ils se sentent discriminés, ils sentent qu'il y a une distance avec le reste de la population, et donc
même quand il y a la volonté de bien s'intégrer, eh bien c'est difficile. Et parfois, c'est vrai qu'il peut manquer un peu de cette volonté, mais je pense qu'en réalité, quand il manque de cette volonté, c'est parce qu'il y a très tôt, et quand je dis très tôt, c'est-à-dire que c'est même les parents qui ont vécu ces obstacles-là, qui font que les nouvelles générations voient que leurs parents ont galéré à s'intégrer, le pays d'accueil n'a pas fait ce qu'il fallait pour les intégrer, et donc ils ont déjà, avant même de commencer, ils ont déjà ce ressenti, et donc ce qui représente un obstacle à leur propre volonté d'intégration, d'accord ? Voilà, je pense qu'il y a d'abord une cause à la difficulté d'intégration et que ce n'est pas simplement des gens qui ne veulent pas s'intégrer, comme on l'entend de façon caricaturale et simpliste dans la bouche de certains responsables politiques. Je pense qu'il y a une cause et s'arrêter aux conséquences, ce n'est pas factuel, parce que déjà ça ignore une partie de la réalité. Et puis deuxièmement, si on, pour régler un problème, on écarte une partie de la vérité, on ne va pas y arriver, d'accord ? Donc ce n'est pas responsable, c'est ce que je veux dire aussi, quand on a des prétentions à diriger le pays ou à participer à la politique du pays. Voilà, il y a des raisons derrière le fait que certains de nos compatriotes ont du mal, voire n'ont pas trop envie de s'intégrer. Je pense qu'il y a des raisons qui causent ceci et qu'en réalité, de but en blanc comme ça, comme ils sont sur le territoire, eh bien, simplement, en vivant, ils s'intègrent de cette façon-là, quoi. Mais autrement que ça, ça ne doit pas être, comme certains semblent le demander, une preuve de vouloir s'intégrer, d'accord ? Mais dites-le que vous aimez la France, etc. Et d'ailleurs, souvent, sur les plateaux, quand j'entends cette question, j'ai l'impression, moi, d'entendre « dites-le que vous n'aimez pas ou que vous rejetez d'une certaine façon votre pays d'origine ». Quand certaines personnes demandent plus que ça, quasiment obligent, poussent, certaines personnes à dire « dites-le que vous aimez la France », j'entends moi plutôt « dites-le que vous n'aimez pas votre pays d'origine » ou je ne sais pas quoi. Donc non, il n'y a pas à prouver, il y a simplement à organiser les conditions normales de l'intégration et ça doit se faire naturellement. Et quand ces conditions ne sont pas là, c'est ce manque de conditions qui crée la distance et qui crée donc, dans le cas extrême dont je parlais au début, la radicalisation de certaines populations qui disent qui, même si c'est inconscient, hein, mais inconsciemment doivent se dire « De toute façon, je suis mal intégré, voire rejeté, stigmatisé, etc. Eh bien, puisqu'on me dit que je ne suis pas un Français ou que je suis un Français de deuxième catégorie, que je ne serai jamais vraiment Français, jamais vraiment accepté, etc. Eh bien, ça pousse vers la culture précédente, pourquoi pas. Et dans la culture précédente, eh bien, certains discours de radicalisation, il y a aussi un tort, évidemment, de l'autre côté. Et donc, puisqu'il y a un ressenti, une colère qui naît du fait d'être rejeté, eh bien on va écouter des gens qui expriment d'autres colères, parce qu'on va croire que ce sont des colères qui s'entendent, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et c'est ce qui va créer donc chez certains de nos compatriotes, issus de nouvelles générations de Français, donc d'immigration, peut-être cette perdition, c'est peut-être pas le mot, mais ce fourvoiement dans la radicalisation, qui est en fait une façon de chercher sa voie, puisqu'on est rejeté. Normalement, la voie, c'est d'être français, de s'intégrer au fur et à mesure en étant dans le tissu social français. Et puisqu'on est rejeté, eh bien, il faut chercher notre voie. Et tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de chercher notre voie. Et donc, comme on cherche notre voie et qu'on est en colère du fait d'être rejeté, eh bien, on va plutôt écouter ceux qui ont un propos de colère, voire de haine, etc. Et donc, on se fourvoie alors que ce n'est pas notre intention de départ. Et ceci fait réagir aussi des Français dits de souche, parce qu'ils sont peut-être plus sensibles à la justice, et donc de fait cette situation est une situation injuste. Ces gens-là ne peuvent pas s'intégrer parce qu'ils sont ghettoisés, parce qu'ils n'ont pas les services publics autour de soi, parce qu'ils sont stigmatisés du fait de leur culture, ou de leur religion, ou de leur couleur, etc. Et donc, en particulier quand on est jeune, on a comme ça beaucoup d'idéal, on est très sensible à la justice et à l'injustice, et donc on va, par un élan de fraternité, se retrouver à se radicaliser soi-même, parce que on l'a vu, donc il y a des Français de souche qui se laissent pousser la barbe, qui vont, c'est pas un problème de se laisser pousser la barbe, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un signe de radicalisation dans certains cas, et qui vont dans d'autres pays suivre des entraînements et en vue de peut-être commettre des actes terroristes. Mais tout ceci, d'abord et avant tout, pardon, est du fait d'un défaut d'intégration, d'une stigmatisation, d'un défaut d'intégration, etc. Ce n'est pas quelque chose qui existe comme ça en graine au cœur de ces populations
soit d'immigrés de jeunes Français ou de Français de souche qui ont cette sensibilité, cette fraternité par rapport à ces populations-là. D'accord. Donc, pour résumer, ce qui crée la radicalisation de certains de nos compatriotes, qu'ils soient issus de l'immigration récente ou qu'ils soient considérés comme Français de souche, c'est simplement le défaut d'intégration, notre mauvaise façon de gérer l'intégration. Il faut faire un effort pour ces populations-là, puisqu'il s'agit, pour les parents, en tout cas ceux qui viennent s'installer, c'est peut-être un peu moins le cas pour les enfants, quoique, de faire un effort de s'intégrer, etc. Moi, je vis au Japon, il faut quand même que je fasse des efforts, même si c'est peut-être plus facile au Japon pour un blanc, parce qu'on est vu comme ça, ouais, les blancs, machin truc, donc c'est plus facile, mais il y a quand même certaines choses pour lesquelles il faut que je fasse des efforts. Donc, c'est un effort, quand on émigre, ou quand on immigre, de s'adapter, d'accord, mais il y a aussi un effort à faire du côté du pays qui accueille, donc il y a un effort comme ça des deux côtés, et quand l'effort n'est pas à la mesure de la situation, ou pire, quand on fait des erreurs, pardon, eh bien voilà, ça amène à différentes situations de délinquance, petite délinquance ou grande délinquance, banditisme, etc., jusqu'à la radicalisation vers des actes terroristes. Ok, ça c'est la première chose. Et donc la deuxième chose que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est comment fait-on concrètement, donc, parce que c'est bien de dénoncer, etc., mais après comment on fait concrètement pour bien accueillir les différentes vagues d'immigration, de sorte qu'ils à la fois ne se radicalisent pas ou ne tombent pas dans la délinquance, ça ce sont les cas extrêmes, mais simplement s'intègrent bien et profitent, eux, de la société et à la société, d'accord, dans les deux sens. Alors, ce n'est qu'un avis personnel, je ne suis pas un expert de ces questions, et donc je ne fais que proposer ici un point de vue, à compléter ou à corriger ou à abandonner si ce n'est pas pertinent, mais comme d'habitude, il me semble que c'est une question de moyens. Donc j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos sur la démocratie et sur la souveraineté monétaire, sur le revenu de base, etc. Dans une réelle démocratie et dans un peuple réellement souverain, la création monétaire appartient à la communauté. Ça n'appartient pas à des banques, ça n'appartient pas même pas à une banque centrale, ni à des banques privées, etc. Ça appartient à la communauté. Et donc c'est communément, collectivement, l'ensemble de la nation qui décide de la création monétaire, qui décide des budgets, qui décide des allocations de budget, dans quel domaine, etc. Et donc, le domaine de l'immigration est un domaine dans lequel il faut investir des fonds, d'accord ? Pour créer les logements nécessaires, et dans ces logements, il doit y avoir de la mixité, peut-être, et ça c'est peut-être une question d'expert à laquelle je ne pourrais répondre, peut-être que ça doit être de 50-50, peut-être que ça doit être plus de Français de souche, moins d'immigration, enfin de personnes issues de l'immigration, pour pouvoir donner plus d'exemples de ce qu'est la France, de ce qu'est la culture française, etc., etc., de pouvoir donner aux nouvelles générations le bain social, culturel, dans lequel ils vont pouvoir apprendre le pays, s'intégrer, etc. Donc il y a une question de bonne mixité, de bonne dose de mixité, des lieux d'habitation propices, d'accord ? Je pense que des fois, les grosses barres HLM, est-ce que c'est vraiment propice ? Moi, ça me fait pas trop rêver, donc je sais pas de quelle façon, mais il faut y réfléchir, certainement avec des parcs, de la végétalisation, et aussi peut-être des efforts au niveau architectural. Je pense que l'esthétique, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, joue un rôle dans le vivre, d'accord ? Et donc il faut que ce soit des jolis bâtiments avec des parcs, de la verdure, etc. Il faut aussi toujours, donc ça requiert des fonds. Encore une autre chose qui requiert des fonds, c'est il faut pouvoir mettre des pharmacies, postes, supérettes, supermarchés, boutiques, boulangeries, comment ça s'appelle, cliniques, peut-être hôpital quand il s'agit de lieux plus grands à proximité, peut-être commissariat, etc. Enfin, tous les services publics dont tous les citoyens que nous sommes avons besoin, à proximité, d'accord ? Donc ça aussi, ça requiert beaucoup d'argent, mais c'est ça faire société, hein. On construit la société, c'est comme quand on joue au jeu de stratégie, bon, mais il me faut créer une banque, il me faut créer une telle entreprise, etc. pour me développer, eh bien c'est pareil, quand on crée des lieux de vie, il faut des habitations, mais il faut aussi les services qu'il y a autour et les infrastructures qui permettent aussi de connecter ces lieux d'habitation-là avec le reste de la société, donc des transports en commun, que ce soit tramway, bus,
métro, train, etc. D'accord ? Donc ça aussi, il faut, pour qu'il y ait une véritable intégration physique de ces jeunes populations françaises-là. Déjà aussi, il y a une question d'éducation. Donc je pense que pareillement, il faut des lieux d'apprentissage à proximité, dans la diversité, encore une fois. La même diversité qu'il y a dans les lieux de logement, il doit se retrouver aussi dans les lieux d'apprentissage. Au lieu qu'il y ait une ghettoisation, il faut qu'il y ait une... Je ne sais pas s'il faut dire une homogénéisation, mais en tout cas, la mixité pertinente pour pouvoir créer les bonnes conditions d'intégration, d'accord ? Je dis ça d'un point de vue de blanc, de français blanc, alors peut-être que ce n'est pas du tout pertinent d'un point de vue de ces populations, de ces concitoyens-là, et donc si vous êtes de ceux-là, de mes compatriotes, évidemment vous êtes les bienvenus pour me faire vos retours d'un point de vue que je n'ai pas, puisque je suis simplement un blanc et pas issu de l'immigration, ou issu de l'immigration, mais de deuxième, non, troisième génération, donc pas pareil. Bref, voilà. Donc pareil, éducation, et là aussi il faut mettre des moyens, donc construire les lieux avec les équipements identiques à d'autres lieux d'habitation, parce que sinon ça crée encore une fois un sentiment d'injustice, de différence, pourquoi dans d'autres établissements ils peuvent faire telle activité alors qu'ici on n'a pas ça. Donc ça aussi, ça requiert des fonds, mais c'est nécessaire, ça fait de l'emploi aussi d'ailleurs. Ah oui, aussi au niveau du nombre par classe, mais ça je crois que ça devient un problème global dans toute la France, même si peut-être ça a commencé dans ces lieux-là de ghettoisation. Mais voilà, il faut qu'il y ait un nombre raisonnable d'élèves par classe. Je ne sais pas, moi je trouve que 20 déjà c'est déjà un max, alors que je crois qu'on en a à 30 ou plus que ça. Voilà, donc ça c'est pareil, donc c'est-à-dire plus de classes et plus d'enseignants pour faire des plus petits groupes, parce que plus les groupes sont petits, et plus l'enseignant, et peut-être même d'ailleurs qu'il faut peut-être deux enseignants, pas seulement dans les lieux où l'immigration est peut-être un peu plus importante, mais dans toute la France, je pense qu'il faut peut-être deux enseignants, un qui mène le cours, peut-être par alternance, et un autre qui est là pour aider un peu plus particulièrement les élèves, d'accord ? Donc il y a des efforts à faire de ce côté-là aussi. Pour que ces Français issus de l'immigration profitent de tous les services pareil que le reste de la population, je dis pas plus, hein, je dis également. Parce que justement, s'il y a une inégalité dans l'autre sens, c'est-à-dire on met plus de moyens dans l'immigration et moins de moyens dans la population dite de souche, ça va aussi créer un ressentiment. Donc je pense qu'il faut simplement bien mixer tout ça et donner également et de façon homogène les mêmes services à tous. S'il y a des besoins spécifiques liés à l'immigration, et je pense qu'il y en a, eh bien il faut créer les locaux et les services utiles à ceci, mais qui sont très spécifiques à l'immigration, tels que l'apprentissage de la langue pour les parents, ou l'aide à remplir des documents officiels pour les parents qui ne maîtriseraient pas, etc. etc. Ce genre de choses, pour justement rééquilibrer ce qui est un déséquilibre du fait de l'immigration. Ça c'est juste normal, mais il me semble que c'est un rééquilibrage, et d'ailleurs ce rééquilibrage, on pourrait penser d'un point de vue peut-être erroné que c'est un effort supplémentaire qu'on donne à cette population alors qu'on ne le donne pas au reste de la population, mais en fait cet effort supplémentaire qu'on donne à cette partie-là de la population va permettre de rééquilibrer et de maintenir un équilibre dans toute la société. Donc cette autre partie de la population qui n'aura pas bénéficié de ce service particulier, en fait en bénéficiera quand même, puisqu'il s'agit de rééquilibrer, de donner toutes les chances d'intégration nécessaires à cette partie-là de la population pour que l'équilibre social demeure, perdure, etc., soit maintenu. Donc c'est une question de moyens, quoi. Il faut simplement mettre des moyens. Et puis pour l'embauche, alors là c'est plus difficile, est-ce qu'il faut pas mettre les noms, est-ce qu'il faut pas mettre les adresses, est-ce qu'il faut pas mettre les photos, etc. Je ne sais pas, c'est une question épineuse. Peut-être ce qu'il faudrait faire, mais il faudrait pas que ça soit une nouvelle façon de ghettoiser, c'est peut-être dans un premier temps, dans la fonction publique, ne pas faire cette discrimination et prendre des gens de toute origine sociale et géographique, d'accord ? Là je parle pas de l'origine culturelle, parce qu'on considère à partir du moment où ils sont en France qu'ils sont français normalement, d'accord ? Donc je parle de la mixité géographique, c'est pas parce que ah, vous venez de tel quartier. Normalement, dans ce quartier, il est mixé avec des Français de souche, donc il ne doit pas y avoir de ghettoisation et de discrimination par rapport à ça. Mais pareil au niveau du nom, etc. D'accord ? Donc, ce que je veux dire, c'est que l'État et les services publics doivent déjà montrer l'exemple. Et puis, par le fait de montrer l'exemple, ça va pouvoir permettre, normalement, aux Français de souche qui sont peut-être en capacité d'embaucher, de voir que, eh bien, tiens, oui, Rachid, parce que peut-être qu'il y aura un nom, etc. Enfin, voilà, ce Français issu
de l'immigration nord-africaine, etc., eh bien, il fait bien son travail de préposé à la poste ou à tel service public. Et donc, ça va permettre de changer les mentalités en s'apercevant que c'est pas parce qu'on a tel nom ou telle origine ou telle couleur de peau ou je ne sais quoi qu'on ne fait pas bien son travail. Après, pour le privé, c'est difficile de faire des quotas, mais malheureusement, ça ne me plaît pas non plus l'histoire de quotas, parce qu'on sait toujours, on veut toujours privilégier la liberté des gens de choisir qui est-ce qu'ils vont embaucher. Évidemment, je suis pour ceci, mais si ça crée ce genre de situation, des stigmatisations, de discrimination, voilà, à l'embauche, et que de fait ces populations-là ne trouvent pas de travail, eh bien ça crée un problème pour toute la société, d'accord ? Donc peut-être qu'il faut en passer par des quotas à l'embauche dans un premier temps, et je pense qu'une fois que les gens issus de l'immigration auront fait leurs preuves et se seront intégrés simplement en montrant qu'ils sont un employé comme un autre, eh bien peut-être que par les quotas et par la pratique, ça fera évoluer les mentalités, en tout cas je l'espère. D'ailleurs, on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes et le syndicalisme, on voit qu'il y a plein de gens qui ont des noms issus de l'immigration et qui semblent s'être complètement intégrés puisqu'ils occupent différents postes, etc. Et d'ailleurs qui deviennent aussi parfois des leaders des mouvements de grève, etc., qui défendent des acquis sociaux français qui ont été gagnés par des gens qui ne sont pas leurs ancêtres culturels, mais qui le sont devenus par rapport à leur intégration à la France, etc. Donc ils défendent d'une certaine façon la culture française, pas d'une certaine façon, mais ils défendent la culture française, ils défendent les acquis français, etc. Bien sûr, ils en profitent aussi, évidemment, mais on en profite tous. Donc voilà, je trouve que c'est une belle intégration, un bel exemple d'intégration. Aziz, je ne sais plus comment il s'appelle, je mettrai la photo, la voici. Donc voilà, je trouve que c'est un bel exemple. Mais voilà, je pense que le quota, c'est ce que je vois moi pour la sphère privée. La sphère publique doit montrer l'exemple. Et la réponse, c'est mettre des moyens de sorte qu'il y ait une bonne mixité. Alors je ne sais pas dans quel pourcentage, c'est à réfléchir avec les experts ou par expérience empirique en essayant. Et puis aussi de mettre les services publics nécessaires à toute la population. Cette population-ci, comme le reste de la population, toutes les populations, qu'on crée comme ça une bonne homogénéité entre toutes les populations. Donc premièrement, ce qui cause, pour récapituler cette vidéo, ce qui cause la radicalisation chez certains de nos compatriotes, qu'ils soient issus de l'immigration récente ou plus ancienne, ou qu'ils soient considérés comme français de souche, c'est cette mauvaise intégration et cette stigmatisation, cette discrimination. C'est ça qui cause ce problème-là. Donc on voit que concrètement, ça crée de véritables problèmes dangereux pour l'ensemble de la communauté, premièrement. Et deuxièmement, la solution, c'est comme d'habitude, de mettre les moyens. Quand on fait société, nécessairement, on crée des lieux, on crée des emplois, des fonctions à avoir, etc. Et tout ceci, ça se crée, puisqu'on est dans une société monétaire, ça se crée par l'argent. Et si on est démocrate, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, alors on possède le pouvoir de battre monnaie, alors on alloue aux nécessités de la société les crédits pour créer les conditions de la société fonctionnant correctement et du bien-être de tous. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que cette vidéo est assez longue comme ça. Comme d'habitude, si vous avez des critiques à faire, des compléments d'information, un point de vue à donner, quel qu'il soit, vous êtes les bienvenus, toujours dans le respect évidemment. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, c'était le sujet de cette vidéo. Et vive la France !